Le circuit d'Extreme Sailing Series a repris ses droits à Mascate. Premier acte d'un championnat de 8 étapes, le chemin qui mène au Sacre Suprême promet d'être semé d'embûches. Présenté comme l'un des équipages favoris, Pierre Pennec et ses 4 équipiers espèrent bien naviguer dans les traces qui les avaient menés à la victoire lors du Grand Prix au Mané il y a un an déjà. L'année dernière, commencer par une victoire avait donné confiance pour le reste de la compétition. On savait qu'on était au point et on avait surtout marqué les esprits en faisant une très bonne journée dans la brise. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison qui commence avec de nouveaux concurrents, un nouvel équipage avec des conditions différentes. On repart à chaque fois de zéro et ça va être à nous de nous adapter, de progresser le plus vite possible. Des routes de l'encens à celles de l'or noir, l'histoire du sultanat d'Oman est jalonnée d'échanges. Quoi de plus normal alors que de nouvelles têtes fassent leurs apparitions? L'équipage du catamaran, armé par le baron Benjamin de Rothschild, est certes recomposé, mais l'ambition reste identique. Aller tutoyer les sommets. Disons qu'à chaque fois qu'on participe à une course, quelle qu'elle soit, le but étant de mieux figurer possible, en tout cas essayer d'être au moins sur le podium. C'est vrai que sur les 3 dernières saisons, le Gitana Team a fait 3 fois deuxième. On va essayer de gravir cette année la dernière marche qui nous manque. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une première manche comme galop d'essai et déjà, dès la seconde, des automatismes qui se créent. Au bout, le goût de la victoire retrouvé. Comme un symbole, comme pour marquer son territoire, le Gitana Team s'empare du leadership dès le premier jour de compétition, de bon augure. Mais bon, ça mettra le travail de nos camarades. On sent qu'on a une grosse marge de progression parce qu'on est un tout nouvel équipage. Mais donc voilà, on est plutôt heureux ce soir et rassurés, heureux, et bon, on a hâte d'être demain pour batailler encore plus. Mais plus que la première place, l'équipage de groupe Edmond de Rothschild souhaitait conforter ses choix. C'est fait et bien fait. De quoi voir là comme une promesse de belles journées à venir.